La paix du Christ, je suis Père Dreyfus. Bienvenue sur la chaîne. Ta parole est la lumière de mes pas. Ce dimanche, l'Église célèbre la fête de Toussaint. Les textes qui nous sont proposés pour notre méditation sont les suivants. La première lecture est tirée du livre de l'Apocalypse, au chapitre 7, le verset 2 jusqu'au verset 4, le verset 9 jusqu'au verset 14. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Jean au chapitre 3, les versets 1 jusqu'au verset 3. L'évangile est tiré de Saint Matthieu au chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 12a. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de la Toussaint. Cette fête fait partie des éléments de notre foi contenus dans le Credo. Je crois à la communion des saints. Pour cette circonstance, l'Église nous propose, comme d'habitude, des textes pour nous aider à méditer ce mystère. Comme évangile de cette fête, l'Église nous invite à méditer les huit béatitudes selon Saint Matthieu. Les béatitudes constituent la charte, le programme de la vie chrétienne. Dans son exhortation apostolique sur la sainteté, le pape François dit qu'elles sont la carte d'identité des chrétiens. Les huit béatitudes commencent par cette phrase, je cite, Heureux les pauvres de cœur. Fin de citation. Il est important de noter que la pauvreté dont parle Jésus n'est pas la misère. La pauvreté est toujours un fléau contre lequel il nous faut lutter. L'intention de Jésus n'est pas de dire aux pauvres, matériellement parlant, de supporter leur malheur et leur misère avec patience et attendre la vie qui est au ciel. Jésus ne propose pas une religion de consolation, une religion opium du peuple, comme disait Karl Marx. Le bonheur des pauvres de cœur dont parle Jésus ne concerne pas que la vie future. L'esprit des béatitudes n'est pas du côté de la consolation et de l'appel à supporter patiemment les misères de ce temps en prévision d'une vie future dans l'au-delà. En fait, avec les béatitudes, Jésus inaugure un nouveau monde. Et la première béatitude nous dit quel est ce monde nouveau. C'est le royaume des cieux, non pas le royaume du ciel. Construit comme une vie avec Dieu après la mort. Qu'est-ce que le royaume des cieux? Les Juifs, très respectueux de Dieu, évitaient de le nommer et remplaçaient son nom par le saint ou les cieux. Le royaume des cieux, c'est le royaume de Dieu. Et ce royaume n'est pas seulement dans l'au-delà de la mort. Il est aussi aujourd'hui. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche de vous, proclamait Jésus dès le commencement de son ministère. L'expression heureux les pauvres de cœur vise tous ceux qui ont une spiritualité de l'abandon. Ce sont les gens qui ne mettent pas leur espérance dans leur richesse, mais en Dieu. Ici, la pauvreté est avant tout une disposition de cœur. Les saints dont nous faisons mémoire aujourd'hui se sont laissés travailler par l'une ou l'autre des béatitudes. Elles sont une phare extraordinaire pour comprendre leur vie. Pour certains, ce fut la pauvreté du cœur, pour d'autres, la douceur, pour d'autres, la miséricorde, pour d'autres encore, la paix. Qui sont les saints? Ce sont les personnes qui ont mis en pratique les béatitudes. Et leur ont fait goûter au cours de leur vie l'expérience de Dieu. Les saints ne sont pas des gens extraordinaires. La sainteté n'est pas réservée à quelques individus extraordinaires. Elle n'est pas l'apanage de personnes parfaites, ascètes, martyrs ou mystiques. Les saints sont des personnes normales comme vous et moi. Ils ont aussi leurs défauts, leurs limites et leurs faiblesses. Devenir saint ne veut pas dire forcément accomplir des grands exploits ou posséder des charismes exceptionnels. Quand nous pensons aux saints, souvent nous imaginons des personnes situées dans un autre univers, trop éloigné de nous.
Pour Jésus, les bienheureux du royaume sont d'abord à nos côtés. Ils sont proches de nous dans la vie concrète. Chacune des béatitudes se donne à voir et à comprendre dans la vie de notre entourage. Autour de nous, il y a des gens qui sont des petites béatitudes. Nous avons plusieurs saints et saintes vivant autour de nous. Mettre en pratique la béatitude signifie imiter Dieu. Or, Dieu est amour. Donc, la clé de la sainteté est de faire les choses ordinaires par amour. Tous les saints que nous fêtons aujourd'hui sont des hommes, des femmes et des enfants comme nous. Ils ont cru que l'amour était plus fort que tout. Chaque baptisé a une vocation à la sainteté. Nous en sommes capables aussi avec la grâce de Dieu. Nous avons reçu cette grâce au jour de notre baptême, comme un germe, comme un nouveau programme génétique qui nous destine à la sainteté. Dans la première lecture tirée de l'Apocalypse, Saint Jean nous dit que tous ses élus ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. La sainteté ne s'acquiert pas par l'effort personnel. La sainteté n'est ni la perfection de notre intelligence, ni la perfection de notre volonté. La sainteté n'est pas aussi un titre d'honneur mérité par ceux qui ont réussi leur examen de morale. C'est une grâce que Dieu nous a faite à travers la mort et la résurrection du Christ. Donc, seul Dieu peut assurer la fidélité et l'achèvement de notre propre sainteté. Le chemin de la sainteté, nous ne pouvons le parcourir qu'avec l'aide de Dieu lui-même. Car ce chemin est parsemé de croix, des difficultés et des obstacles. L'expérience de l'Église montre que tous les saints, en suivant des parcours différents, sont passés par le chemin de la croix, le chemin du renoncement à soi-même. Ceux qui s'engagent pour la paix, le pardon, la justice, la dignité des hommes sont mal vus, traités de lâches, voire persécutés. On fera toujours la guerre contre ceux qui veulent faire la paix, parce que l'on ne veut pas des mondes de partage et de dialogue sans privilège et sans rivalité. Aujourd'hui, nous sommes les saints que Dieu a choisis pour faire briller sa sainteté dans notre monde. Nous avons conscience de notre pauvreté, de notre faiblesse, mais ce n'est pas un obstacle pour Dieu. Pour terminer, je vous invite une fois de plus à cliquer sur « S'abonner » pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Que le Seigneur vous bénisse.